ça qu'il appelle saut de crapaud? Ouais. C'est ça? Ouais. Il n'y a pas des paroles qu'il y a avec ça? Je chantais pas quelque chose là-dessus? Je les connais plus trop bien. Je sais pas si c'est, je pense que c'est toi qui chantais ça. Saut de crapaud, ta queue va repousser. Ouais. C'est genre pétrin en revenant de la lune en mangeant des bananes, c'est ça. Jacques crapaud, ta queue va tomber, mais prends courage, elle va repousser. Et Jacques Pétrin, farine sur la tête en venant du lac, en mangeant des bananes. As-tu déjà joué avec un autre instrument? Avec un violon ou avec un... Un violon, un accordéon. Ça sonnait bien? Ça sonnait bien, beaucoup bien. J'ai joué avec Cyprien et Adam, et là j'ai joué avec Aymar de Villiers. Petit frère, on l'appelait. Mais son nom même, c'était Aymar. Où on jouait, et on s'adonnait beaucoup bien. Il jouait quoi, lui? Il jouait de l'accordéon. Et là, j'avais un de mes cousins, Germain, qui jouait du violon. Et ça faisait de la belle musique. Aimes-tu mieux jouer seul ou bien non, c'est mieux jouer avec d'autres? Oh, j'aime mieux jouer mon seul. Ouais. Je peux tenir mieux le temps. Mais quand quelqu'un, quand t'es habitué de jouer avec, comme les autres, quand t'es habitué de jouer, tu peux tenir le temps. Parce que tu connais exactement comment tenir leur temps. Mais quand t'es pas habitué de jouer avec quelqu'un, et des fois faut t'arrêter pour écouter ou pour toi le rattraper. Ça fait pas rien que si je nomme ça, je vais jouer. Non, j'aimerais ça. Non. Mais je vais jouer la vieille valse du dimanche après-midi. J'arrivais le dimanche après-midi, c'est un moment, et toi t'as sorti sur la galise avec des larmes dans tes yeux, t'es demandé qui c'est y avait. Oh mon aigle, tu m'as dit, faudra tu t'en vas, m'en veux pas, tu t'es rentré. Ça, c'est joli. Je savais pas qu'il y avait des mots. Les sacrifices à la nomme, la balle du dimanche après-midi. Comment? Sa maman n'a pas voulu le quitter dans le déchard avec elle.